C'est avec complaisance que je participe à la cérémonie de signature de la Cour de convention de partenariat entre la Cour de cassation et l'ambassade de la République de Chine Taïwan en Haïti afin de rendre un bon fonctionnement logistique pour les magistrats, les cadres et personnels de la Cour de cassation. La reconstruction de la Cour de cassation a été initiée en 2013 lors de mon premier séjour à titre ambassadeur de la République Chine Taïwan accrédité en Haïti. À cet effet, j'ai eu l'honneur d'accueillir le premier président de Taïwan en visite officielle en Haïti, spécialement pour la pose de première pierre du bâtiment de la petite cour. Taïwan est un pays qui a toujours été proche du peuple haïtien et s'est toujours soucié de son sort. Taïwan s'est toujours préoccupé à la reconstruction du pays et surtout à s'assurer que ses actions de coopération aient un impact positif à long terme sur le développement du pays. Taïwan sera comme toujours aux côtés des Haïtiennes et des Haïtiens. L'État de droit est la base fondamentale de la démocratie, qui est la même valeur précieuse que nos deux peuples défendent et partagent. En tant qu'institution de la justice la plus prestigieuse, la Cour de cassation mérite d'être rétablie et logée dans un bâtiment précieux suite au tremblement de terre en 2011. C'est dans cette optique que le gouvernement de Taïwan, en attachant de l'importance à l'État de droit et au développement du pays, a financé à la reconstruction de la Cour de cassation, qui a été enregistrée en tant que premier bâtiment public à être reconstruit. Le président de Taïwan s'est même rendu spécialement, exceptionnellement au pays pour la cérémonie de l'inauguration en 2015. Je me réjouis d'être affecté à nouveau en Haïti et de me retrouver ici où j'ai eu l'honneur d'assister à la pose de la première pierre et surtout à témoigner l'achèvement et la continuation du projet de coopération entre la République d'Haïti et la République de Chine Taïwan. Depuis mon ascension à la tête de la Cour de cassation, je me suis accroché à la gestion axée sur le résultat. Je travaille sans relâche pour améliorer dans certains cas et dans d'autres, pour changer tout ce qui pourrait avoir nuire au bon fonctionnement de la Cour. En ce sens, nous avons accordé une grande importance à la gestion de maintenance de l'immeuble logeant la Cour. Notre constat nous a permis de déceler que certains travaux d'entretien s'avéraient urgents. Depuis, aidé du directeur administratif, M. Jean Nicholson Pierre-Louis, que je félicite en passant, je n'ai rien laissé de côté en vue de garder cet immeuble dans un état de fonctionnement idéal, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce, malgré les difficultés d'ordre budgétaire. Car cet immeuble qui loge la Cour régulatrice travaillant quotidiennement pour fixer l'unité de la jurisprudence sur tout le territoire national, appartient à tous les Haïtiens.
Donc, je vous assure que je veillerai à l'ensemble des opérations nécessaires pour l'entretenir afin de maintenir en état. Ainsi, je requiers l'administrateur de tenir à jour le carnet d'entretien de la Cour. Nous avons partagé nos réflexions avec l'ambassadeur de Taïwan, qui a compris que certaines interventions sont nécessaires pour maximiser le minimum d'opérationnalisation de l'immeuble. Ainsi, la République du Taïwan a accepté d'accorder la somme de $200,000 américains pour la réparation de l'ascenseur et du système de climatisation. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la République de Taïwan, Monsieur Liu, je vous remercie chaleureusement d'avoir fait montre d'autant de dévouement pour nous aider à réparer l'immeuble de la Cour de cassation. Je vous prie de bien vouloir transmettre mes remerciements au gouvernement de la République de Taïwan qui a donné suite à notre requête. Monsieur l'ambassadeur, ce contrat de partenariat est très apprécié par tous les magistrats et employés de la Cour de cassation qui applaudissent le niveau de coopération entre la République de Taïwan et d'Haïti qui ne cesse de grandir de jour en jour.